Et il m'a demandé, que désires-tu? J'ai dit, le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sans mélange. Je m'appelle Kai Alice. Je viens d'Aïmevo. Le dimanche passé, Dieu m'a fait un grand miracle. Et je veux le partager avec le peuple de Dieu pour que nous sachions que réellement Dieu existe. Il y a environ un an. Et je n'ai plus mes menstrues. J'ai pensé que j'étais tombée enceinte. Et j'ai été à l'hôpital. J'ai fait l'échographie. On m'a demandé de faire des analyses, ce que j'ai fait. Mais on n'a rien vu. Et je suis ainsi comme ça. Je n'ai pas mes menstrues. C'est seulement lorsque mon mari couche avec moi que je saigne un peu. Sans qu'il n'y ait rapport sexuel, moi je ne saigne jamais. Et je suis ainsi. Je ne suis pas enceinte, je n'ai pas mes menstrues, il n'y a rien du tout. Quand je vois des gens, je leur narre mon histoire. Et j'ai rencontré une sœur, je lui ai narré ma situation. Elle m'a dit qu'elle connaît quelqu'un qui traite ces gens de cas-là. Sœur Alice, quand tu n'as pas tes menstrues, comment te sentais-tu dans ton ventre? Et je sens une masse bouger dans mon ventre comme un bébé s'agite dans le ventre de sa mère. Et quand la sœur m'a parlé de la personne qui peut me faire des tisanes pour que je retrouve mes menstrues, j'en ai parlé à mon mari. Lui m'a dit à combien comme ça cela va s'élever. Et je lui ai dit 15 000 environ. Il m'a remis les 15 000, il m'a remorqué. On a été voir la personne qui devait nous faire la tisane. Effectivement, la personne nous a fait la tisane. Et on m'a dit que voilà, on m'a fait la tisane. Mais jamais, à grand jamais, la mamie ne devait toucher le sol. De la même manière, lors de la cuisson, la tisane ne devait pas rentrer dans le feu. Donc je dois devenir une gardienne et surveiller la cuisson de sorte que cela ne rentre pas dans le feu. On dit que la tisane ne doit pas verser dans le feu. Et tu as monté la garde jusqu'à ce que sa cuisson verse dans le feu. On dit tu ne vas même pas t'asseoir pour boire la tisane. Dans quelle position tu devais rester pour boire la tisane alors? Je dois rester debout pour boire et je ne dois pas faire l'erreur en buvant et cela va même couler sur moi-même. Je ne dois pas faire l'erreur là. Quelqu'un dit sobri. Cette tisane est trop puissante. Est-ce que tu as fait l'effort de boire la tisane? On m'a dit de boire ainsi et j'ai fait l'effort, je l'ai bu comme on me l'a indiqué. Et celle qui m'a fait la tisane a dit, c'est le jour où tu retrouves tes menstrues que tu vas jeter la tisane. J'ai pris jusqu'au point où je n'ai même pas eu les menstrues. J'ai informé ma mère au village de la situation.
Et elle m'a dit, c'est ça qu'elle ira chercher l'origine de ce mal-là. Et quand elle est partie consulter, on lui a dit, ah, que moi je suis enceinte, hein. Quand ma maman m'a informé, j'ai informé mon mari et mon mari a dit, maintenant qu'est-ce qui fait qu'on ne constate pas réellement la grossesse ici? Et on m'a dit qu'il y a un serpent familial qui a posé sa main sur la grossesse. C'est pour cela qu'on ne sent pas physiquement la grossesse. Mon mari a encore pris de l'argent. On a été au village, on a fait les cérémonies qu'on nous a demandé de faire. Vous avez donné quoi à ce serpent là au village? Des sucreries, biscuits et plein d'autres choses. Aïe 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 aïe, quelqu'un dit faïa. 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 Donc, biscuit, quoi, ravioli dans l'eau, non? Donc, le serpent là, il prend des biscuits et il boit de sucreries dessus. Et tiens, Timina, biscuit, quoi, ravioli, et évapore de qui a? Maintenant, après lui avoir donné des biscuits et des sucreries, est-ce que finalement tu as eu tes menstrues? Allô, il faut avoir tout rentré au vapeur. Ou bien réellement, on a constaté physiquement la grossesse? Malgré tout ça, on m'a dit, ah, bientôt tu verras la grossesse physiquement, mais jusqu'à présent, RAS, rien n'a signalé. Rien n'a signalé. Le serpent a pris les biscuits. Odao est doux, biscuit là. Il a bu du sucré. Bonne renvivité du Gandhi. Il a pris aussi l'argent, non? Et quoi de soi? Mais la grossesse n'est pas sortie. Adogwa et Doedeo, Adogwa et Kassom, Adogwa. Elle continue toujours pas sentir les mêmes mots. Bonne oui. Tiens, les soeurs Alice, n'y va Diego Dunio. Sœur Alice, que s'est-il passé par la suite? Tiens, on a assuré va décourager. Après cela, mon mari s'est découragé. Il s'est complètement découragé. Il a commencé par chercher d'autres femmes et il découchait même. Sœur Alice, quand ces événements se produisaient, Sœur Alice, étiez-vous déjà à l'église évangélique Port de Vie? Je venais par moment, mais je n'étais pas chrétienne réellement. Elle faisait le mélange en ce moment-là. En ce temps-là, je mélangeais. Maintenant, que s'est-il passé? Et un dimanche, nous sommes venus au culte. Et le dimanche passé, on était venus au culte. Et l'homme de Dieu nous a demandé à, aux femmes qui désiraient le fruit des entrailles de venir devant. Et l'homme de Dieu a commencé par prier pour nous. Et quand je suis venue devant, l'homme de Dieu m'a demandé, quel sexe tu veux pour tes enfants? J'ai dit, je veux un garçon et une fille. Et il m'a dit, reçois tes jumeaux. Il m'a imposé la main seulement, moi je ne me suis plus retrouvée. Et celles avec qui étaient venues devant sont tous allés à leur place. Et moi j'étais seule devant encore. J'ai fait finalement l'effort de me lever pour partir, mais je ne me sentais pas du tout bien jusqu'à arriver à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je ne me sentais plus très bien. Donc j'ai dû m'enfermer dans la chambre. J'étais là jusqu'aux environs de 23 heures quand un de mes frères est venu frapper, me demander ce qui ne va pas. Et je lui ai dit que non, tout va bien.
Mon mari, lui, il est en ville, ne sait pas ce qui se passe à la maison. Le lendemain, j'étais toujours dans la chambre enfermée jusqu'aux environs de 13 heures ce lundi-là. Je sentais seulement des douleurs abdominales. J'étais là, je ne me sentais pas du tout bien. Tout se mêlait dans mon ventre. Et mon mari finalement est venu me demander, mais toi qu'as-tu? Et je lui ai répondu, non, je n'ai rien. Et comme lui, il parlait beaucoup là, il a commencé par m'énerver. Donc je l'ai laissé, moi, je suis parti. Avec son huile des partenaires. Avec son huile des partenaires, je suis allé dans la douche. Il sont parti le pamio, il dit que ils sont partis dans la maison, ils sont à leur vingt-quatre. Il crie du tin, crie de l'un, ça leur vingt-quatre. Qui ils sont sortis comme ils sont, même monti ils sont, ils sont morts de tout quoi, ils n'abandonnent aucun mégot. Et j'ai pris ça, je suis allé dans la douche, je me suis agenouillé et j'ai prélevé un peu de l'huile. J'ai dit tout ce qui est dans mon ventre qui a envie de sortir mais qui ne sort pas et qui me donne tous ces malaises là, j'ai prélevé un peu et j'ai passé sur le col de l'utérus. Je me suis levé de mon genou en même temps. J'ai senti qu'une masse est tombée de mon utérus et s'est tombée par terre. Et tu es tranquille comme ça? Quelqu'un n'acclame pas. Mais là, le parole est amen. Il sent que tu n'as pas encore compris. Et tu dois comment le croire? C'est Alice. Les noix de mon goutte, nous avons Quand j'ai prélevé un peu de l'huile des partenaires que j'ai passé sur le col de mon utérus, ça n'a pas été du tout amusant de praticaliser ainsi. Mais quand je l'ai fait en même temps, ce qui était là qui me dérangeait s'est tombé en même temps par terre. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Ce qui est sorti là. Nous n'est déjà ici ou tout en. Je suis encore là aujourd'hui. Ce n'est pas de la menstruation. Ce n'est pas de la menstruation. Les mamans, vous allez voir ça avec nous. Maman, les mikpon ou en hamibo. Si c'est menstrué ou pas. Donc, alors, glégué né anti abi nous ne voulons pas dire. C'est ce qui est tombé. Nous déjà ici, vous les tournez. La puissance de Dieu agit ici. Orlan, ma ou ton fils pour la soirée. Depuis un an. Si vous êtes au podium. Depuis un an. Si vous êtes au podium. Qu'elle souffrait. Et de ouverture. La chose bouge. Bon, on est dans où? Tu vas croire que c'est un bébé. Elle a fait les analyses possibles. Elle a fait les échographies. Elle est allée faire des sacrifices au serpent. Et ça borde dans gondon. On l'a trompé, on n'a plus de l'argent. Il est blé du boy quoi dans citon. Mais rien. R.A.S. Nous debout joa. Mais une touche de l'homme de Dieu. Non, ma aussi mais aussi à l'odopo. Une touche. Ma aussi mais aussi à l'odopo. Elle est tombée sous l'onction. Bon, et chaido a misé ça au blé. Rentrée à la maison. Elle est quoi il fait béo. Le ventre continuait pas gronder. Elle est podo versé vers la dogoto maintenant. Maintenant, elle a eu à faire le praticalisme. Bon, elle est soit elle est voyée blow à l'odeur d'aison. Et voilà ce qui est tombé. Bon, nous déjà ici ou tout le temps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Attendez-vous au pain noir clou noir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sœur Alice. Sœur Alice. Sœur retenue non Dieu. Qu'est-ce qui va nous éclairer là au home leader? Depuis que cette masse est tombée jusqu'à présent, donc depuis le lundi jusqu'à présent, comment vous sentez-vous? Je ne sens plus de bruit dans mon ventre. Je suis à l'aise. Et tiens, à ce moment-là. Est-ce que ton mari a vu ce qui est tombé? Je l'ai appelé pour lui montrer ça. Acclame très fort Jésus. Au Père Jésus. Acclame très fort. Au Père Jésus. Sœur Alice. Intimawa noone. Voilà ce que le Seigneur a fait pour vous. Mais surtout, pourquoi me les porte vivi garoque tomé. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement sur Porte Vivi. Et Olé Vivi ou de Carlos Seco. Et elle souffre de la même manière que toi. Et moi dans les Romano. Et elle sent une masse bouger dans le ventre. Et Owa nous plein plein vont nous de toi. Elles
ils ont tout fait en vain, mais la chose ne sort pas. Qu'avez-vous à leur dire? Ce que je veux dire à mes parents qui sont à Djakotome là-bas, qui nous suivent actuellement sur Port TV, ayez foi en Dieu seulement, il agira. Si on te dit va ici, va là-bas, ne crois pas car tu vas dépenser seulement. Crois seulement en Dieu lui seul. Acclame très fort Jésus. Pour pas de Dieu. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Noi Gengbo Roger. On m'appelle Gengbo Roger. Voici Tofo. Je viens de Tofo. J'ai commencé par de vie maintenant, il n'y a pas longtemps. Mercredi, c'est une prière de Ebrochobo et Grazio Mbefi. La semaine qui avait précédé, la semaine où ils étaient partis à Glasgow, c'était cette semaine que j'avais commencé par de vie. Non, Jason est d'ailleurs. Bombe à son père depuis 2017. Je souffrais d'une maladie et cette maladie avait commencé depuis 2017. Azon, on tient nos vers. La maladie, j'avais mal au cœur. Si 2017 ou 2018, on y est bien OK demain. Depuis 2017 jusqu'à 2018, j'avais commencé le hockey. OK, et si un micacabo, pour de quoi, pour mon tout filé dans le noir. La maladie de hockey et les maux de cœur aussi étaient tellement denses que je n'arrivais pas à rester tranquille. Oui, bon, radiographie et mon tia. J'avais fait la radiographie, n'avais rien trouvé. Mais je dis, au calme, très. Bon, ouais, mais ça fait mercredi passé de moi. Ça s'est calmé un peu. Et le mercredi, j'étais venu à l'église. Bon, dis donc, bon, j'ai moto broyé. Trop rare, y'a pas si tu es quoi. Ouais, wafi, bon, m'y a. Et ben, vivi, et ben, soussou, braliho. J'étais venu avec ma femme. Lorsqu'on était en chemin pour partir, elle avait commencé par vomir. Des vomis, puis y a un temps, ok, des co-calmés, mais ok, tu es quoi de rompo, et vobé. Quand ma femme a terminé de vomir, moi, ma maladie dont je souffrais, j'avais les maux de cœur, le hoquet, ils avaient recommencé. Cela était tellement difficile et je n'arrivais pas à conduire ma voiture pour rentrer. Tout ce que j'avais l'habitude de faire pour calmer cela, je l'avais fait, mais cela ne s'est pas calmé. Le lendemain, j'avais recherché le numéro du diacre. Je l'ai narré la situation, il a prié pour moi. Il avait prié pour moi, mais je n'avais pas eu la satisfaction totale. Le dimanche qui avait, je m'étais inscrite pour la ligne de prière. Le prophète de Yérésia l'a dit. Et l'homme de Dieu m'avait demandé d'imposer mes mains sur mon cœur. Quand j'avais mis ma main sur mon cœur, il avait prié pour moi. Avant que je ne reparte à ma place, mon cœur et le cœur sont arrêtés. Est-ce que tu es jaloux ou pas? Ou bien on t'a initié? Acclame très fort. Depuis 2017. C'est 2017. 4 ans déjà. Dis-moi. Combien de temps papa a fait pour prier pour toi ici? Lorsque tu as fait ligne de prière, tu es venu devant lui là. Combien de minutes il a fait? Ça n'atteint pas 2 minutes. Ça n'atteint pas 2 minutes. Et le mal qui persistait depuis 4 ans est parti. Il faut célébrer le Seigneur. Célèbre. Quelqu'un veut la guérison ce soir, qu'il célèbre. Quel message vous avez à l'endroit de ceux qui sont malades actuellement? Et qui sont venus. Ben
Ce que j'ai à dire, c'est que le peuple de Dieu a dit à leurs frères et sœurs qui sont à la maison de venir goûter au Dieu de port de vie. Qu'il y a quelque chose ici. Acclame très fort Jésus. Au Père d'Aaron Jésus. Acclame très fort. Au Père d'Aaron. Mon union dit comment il m'a vu. Et il m'a demandé que désires-tu. J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Est-ce que tu as jamais vu ça? C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Ça va se produire dans ta vie également. Les gens sont jaloux ce soir là. Celui qui est jaloux là. Tu es jaloux ce soir. Tu ne peux pas avoir le miracle si tu es jaloux. Est-ce que tu peux célébrer ça? Même si on ne parle plus. Lève-toi, lève-toi. Chite. Et acclame très fort Jésus. Jésus. Est-ce que tu as vu ça à Port de Vie déjà? À comment est l'heure au Port de Vie, quoi on dit? Sec sec. 111. Sec sec. 111. Sec sec. 111. Nous Roncan Jules. Je m'appelle Roncan Jules. Ngosin Pau. Je viens de Pau. À Bon Vie Port de Vie ton Wenyi. Je suis un fidèle de Port de Vie. Dieu s'est puissamment manifesté dans la vie de mon frère et moi. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Il y a 4 à 5 mois environ, nous étions venus au culte ici un dimanche. Le culte était terminé. Et l'homme de Dieu priait pour ceux qui étaient inscrits pour la ligne de prière. Et quand l'homme de Dieu priait pour les gens, il est arrivé au niveau d'un évangéliste. L'évangéliste avait dit que dans son église, les choses sont en train de vaciller, que l'homme de Dieu prie pour eux. Et l'homme de Dieu lui a dit, attends d'abord. Et après, l'homme de Dieu a crié disant, mes jumeaux venez. Et nous sommes venus devant. Et l'homme de Dieu déclarait qu'il allait nous impacter en ce jour. Et que notre ministère allait progresser. Et les bienfaiteurs allaient venir. Et ce jour, réellement, l'homme de Dieu a prié pour nous. Et il a prié pour nous. Nous étions tombés sous l'onction. Et après qu'on soit rentré chez nous, réellement le ministère a commencé par connaître une autre évolution, à une autre dimension. C'est celui qui en a qui donne. Mais non, on dit rien et non, mais. Oui, si celui, quelqu'un en a. Et que tu parles mal de lui. Tu vas rester 10 ans dans l'église sans rien recevoir. Après cela, tel que nous avions l'habitude de prier avec des gens, quand il y a des cas difficiles, nous appelons l'homme de Dieu pour son intervention. Et il nous enseignait et il nous donnait des conseils. Samedi de Wayo. Le samedi passé, mon jumeau et moi, on était à la maison. Notre portable a sonné. La personne nous a appelés et nous a demandé, mais vous êtes où? Nous lui avons dit que nous étions à la maison. Et nous a dit, maintenant, allez sur votre montagne, il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Nous étions allés. Arrivé là-bas, on nous a remis la clé de la moto et les pièces de la moto entre nos mains. Je ne comprends pas. On vous a remis la clé de la moto. Et on vous a dit quoi? Que vous allez rouler Zemidja ou bien comment? Je veux comprendre la situation. Contrat, ouais, Blohami, alors, ne roi ni bon.
Ils ont dit que à cause de l'œuvre que le Seigneur a opérée dans leur vie, au travers de nous, il nous fait don de cette moto. Acclame très fort Jésus. Au pain de Jésus. Oh, acclame très fort là. Aïe, 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 aïe. Wow. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est moto nouveau modèle. Dans la circulation. Et nous y a un monde à l'île du mois. On vous a dit au moins le prix. Mais quand tu quoi ironie la voix. Reçu le soufflet en les biwa. Même le reçu est là. 530 000 Ça c'est célèbre non? Mais au pain, au pain. Ça c'est célèbre, ça c'est célèbre. Vous voyez ce que l'onction produit? Vous voyez ça? Ce soir, vous allez voir. Vous allez voir. Acclame très fort Jésus. Frère Jules, frère Julien. Frère Jules, beau Julien, beau. Je sais que vous avez un mot. On tourne au rond de Messi. À placer. Bon, mais Ronaldo. Calopé tout nous papa. Je remercie l'homme de Dieu. Il a une grande onction qui repose sur lui. Je prie ceux qui nous suivent actuellement. Tu peux être quelqu'un que Dieu utilise. Fais tout pour contracter l'onction qui opère ici. L'onction qui est sur l'homme de Dieu. Si un peu de son onction peut rentrer dans ton onction. Et dans ton onction. Les miracles vont se produire. Partout où vous serez, venez vous réfugier sous cette onction. Et l'onction sera une couverture pour vous. Amen. Amen. Acclame très fort, acclame très fort. Au Père, au Père, aïe, aïe, aïe. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.